Située sur la commune de Cambrai, le long du boulevard Vauban, l'habitation existante, implantée en bord de voirie, rentre dans une belle composition urbaine réalisée au début du XXe siècle. La topographie de la parcelle est plane et les principaux arbres et arbustes sont situés le long des limites séparatives. Néanmoins, un bel arbre implanté en plein centre de la parcelle sera à proximité du nouvel ouvrage. Le projet prévoit la réalisation d'une extension plus homogène et cohérente suite à la démolition de plusieurs ouvrages existants, disparates et sans intérêt. La nouvelle construction va permettre une redéfinition du rez-de-chaussée, suivant le programme des maîtres d'ouvrage. Les nouveaux espaces, plus lumineux et pratiques, seront agrémentés de traitements extérieurs en relation avec les plantations existantes du jardin. L'extension est implantée sur toute la longueur de la façade, avec une partie plus profonde située le long de la limite séparative avec la parcelle limitrophe. Le projet, conçu de manière à composer avec l'arbre, développe suivant l'organisation existante de nouveaux espaces ouverts et lumineux en relation directe avec le jardin. Le nouveau bâtiment, adossé sur l'élévation d'origine, se caractérise par son vocabulaire organique et fluide. À l'aide de plusieurs parois découpées et graduées, l'extension se définit comme une entité sortie du sol qui propose de nouveaux espaces intérieurs comme extérieurs. Elle se décline au fur et à mesure pour venir épouser l'ouvrage existant. À l'intérieur, le nouveau séjour est tourné vers la lumière et le jardin. Ouverte, rayonne autant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Une partie de l'existant dans son prolongement est réaménagée à l'occasion du projet en une suite parentale. Ce projet à la fois contextuel et audacieux représente une belle redéfinition d'un ensemble autrefois chaotique et prosaïque.